Salut à tous, retour sur Darksiders 2, après avoir éclaté le Goliath qui lui-même, du coup, après avoir été soigné, a éclaté la corruption qui se trouvait ici, nous donnant accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous emmènera sur la suite. En revanche, il nous reste quelques détails à voir sur la carte, des endroits qu'on n'avait pas pu aller fouiller. On avait fait le chaudron, mais regardez, il y a la balafre ici, qu'on n'avait pas fait, il y avait des accès qui ne nous étaient pas encore faits, et la retraite. Cet endroit, différents endroits même, qui sont aujourd'hui accessibles pour nous. Donc, retournons ici. On ne peut pas s'y rendre directement, on a un coffre ici. On va chercher un endroit. On n'a pas de déplacement instantané. Ah si, mais si. Le rocher des larmes déjà. Apparemment, il y a un objet derrière. Noté. Curieux de voir ce que c'est. Ah oui, c'est cette zone-là. On ira tout à l'heure. On la fera un peu plus tard. Pour l'instant, on a un élément ici à terminer. Et les automates nous ont repérés. Finit vachement plus vite qu'un moment qu'au début. Dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir en détail? C'était là, on avait un élément ici. Donc à droite, à gauche, deuxième à droite. Encore revenu ça. C'est vrai qu'on avait une nouvelle arme. C'est pas mal ça, la hache de lacération. Ah ouais, mais là, on est quand même en dessous au niveau des dégâts. Celle-ci, je l'aime bien. Mais ça redonne de la santé. Et moi, je rigole pas avec la santé.
Corbeau de malheur. C'est vrai que là, il y a un truc ici. Mais c'est quoi? En même temps, il est censé craindre le froid, alors je suis un peu tenté de... Allez. Bon, on lui a pris un peu de vie, on lui a mis du coup de glace dans la gueule.
On va la voir. À l'usure, on va le tirer dessus, on va le dégager. Et voilà! Allons voir cette faux. Il faut le niveau 15 pour l'utiliser. Autant dire que celle-là, je vais attendre de pouvoir la voir. Maintenant qu'on a fait ça. On va changer d'endroit. Ici la balafre. Voilà cet endroit où on ne pouvait pas accéder aujourd'hui est accessible. Écraser! Thank you.
Je suis aventuré dans quelque chose qui n'était pas au niveau de mon personnage. Mais c'est pas grave. Ah ! C'est le bordel dès qu'on est nombreux là. Allez, on va retenter.
Moi, ça va faire monter le niveau du perso beaucoup plus rapidement. Parce que là, on a quand même du level en face. Hey, il donne de la santé celui-là.
Non! C'est quoi le délire? Il y a des coups quand même qui sont un peu compliqués à voir. C'est pas comme si j'en avais pas besoin. Ah là là!
bien tout ce que je viens d'avoir là, entre les... Entre les armes, les armures assassins là, qui sont bien, ils donnent de l'expérience en plus. Un peu la carte. Hein. On a à peu près tout vu. De toute façon, là, le tout c'est de revenir. On a un pont à abaisser. Toute une zone ici à aller voir. Et puis ce sera bon. Mais quel con. Pour pas avancer. Donc,
Voilà, déjà. On est plutôt pas mal. Donc, on a toujours ça. Et voilà.
Et voilà, bon, il y a eu plusieurs essais. Hein. Là, on est, vous voyez uniquement le moment où j'ai réussi à gérer le tout. Et ça n'a pas été une mince affaire. Mais voilà, le niveau est assez élevé. En fait, je me suis aventuré dans ce bâtiment, certainement trop tôt par rapport au niveau de mon personnage. Mais bon, le but, c'est d'avancer quand même. Donc là, vous avez au moins l'essentiel. Allez, on continue la suite. Voyons voir déjà ce qu'on a eu. Dégâts d'embrasement, d'accord, on a celle-ci, ah oui, qu'on ne peut toujours pas utiliser. Chance de critique, dégâts de feu, et là j'ai de la santé par victime. Ouais, les deux sont... Allez, on va utiliser celle-là. La sauvegarde, et on continue. Quand je vois tout ça, je me dis qu'il y a du gros gros monstre qui attend juste derrière. Et ça fait un peu peur. Yeah.
des os, gorge des os.
Et voilà pour cette partie du scénario. Enfin, du scénario, on n'est pas du tout dans le scénario de principal. Néanmoins, on vient d'acquérir celle-ci, qui est absolument énorme. Et j'aime bien celle-là, j'aime bien ce que j'ai déjà. On a déjà pas mal de choses intéressantes, mais je préfère les armes de poing qui sont beaucoup plus rapides. Allez, épisode terminé pour cette partie. On est sorti du contexte. On va aller voir la chamane. Je me permets une petite coupure. Là, vous allez, c'est vrai que dans la vidéo, ça fait un peu bizarre, mais on a, j'ai eu un petit souci d'enregistrement hier. Ça n'a pas pris la vidéo. Erreur de ma part, a priori, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc tous les petits détails. Donc là, je suis déjà allé voir la chamane, du coup. Et on a fini cette quête. On est passé à la suite. Je suis allé chercher, je vais vous montrer sur la carte, donc des coffres qui se trouvaient, si, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est de ce côté-là. Ici, au niveau du fjord. Donc, j'ai donné des pierres à notre ami là-haut. Voilà, donc je lui ai donné quelques pierres, vu qu'on en avait dans les quêtes à trouver. Il y avait également un objet flottant ici, j'ai plus le nom en tête, que j'ai pu récupérer avec ça. En passant par l'extérieur du bâtiment de l'autre côté, j'ai pu, en faisant le tour, récupérer le coffre qui était juste derrière. Il reste uniquement, du coup je suis également allé dans le fond, vous allez avoir un coffre, deux coffres, un auquel j'ai pu accéder, je vais vous montrer l'accès tout de suite. Sur le côté, en fait, j'aurais pu y accéder la première fois que j'y suis passé. Voilà. Ici, vous aviez un coffre qui se trouvait là. On note un passage qui permettra de se balader plus. Un passage spatio-temporel, voilà. Juste là. Donc il faudra aller certainement chercher. Correspondant à ici. Parce qu'il reste toujours un coffre derrière. Donc ça, ce sera un peu plus tard. Également, sur la zone là, j'ai pu réveiller le monsieur de pierre ici présent, qui nous amène la quête suivante. Il faut retourner auprès de Tain aussi. Donc on va faire ça. On va retourner auprès de Tain. Vaincre Tain, d'accord. Objet trouvé, acte 3. La pierre vagabonde, voilà. Il faut trouver tous les éléments du corps d'Oran qui s'est endormi. Et du coup, voilà. On a tous ces éléments-là. On a le coffre ici présent. Donc on pourra retourner le voir. Retourner le chercher au moment où on aura ce qu'il faut. Également, alors, la balafre. On va retourner à la balafre, vu que la vidéo ou la coupure s'est faite à ce niveau-là. Alors, la balafre, on est... Ah, on est là, d'accord.
Donc c'est pas compliqué là-bas, là, vous avez vu, on avait un coffre présent au-dessus, qui n'y est plus parce que j'ai pu rien récupérer. En fait, l'accès est ici. Voilà. Vous sautez et vous l'avez en hauteur. Voilà, et le coffre était là. Donc rien de compliqué. Tout de suite, on va retourner à Tripetra pour aller voir Tarn. Et on va même finir ça avec un petit combat avec lui, parce qu'on a quand même une quête, c'est le vaincre. Vu qu'on a quand même pas mal augmenté le niveau, ça se trouve, on va y arriver. Tu as vaincu le Goliath avec adresse et ruse. On va faire de toi un vrai guerrier. Beitir ne vous causera plus d'ennui. Une ère de terreur vient donc de s'achever. Mais tu as encore tout à prouver. En surmontant cette épreuve, tu as prouvé ta puissance. Mais aussi que tes blessures étaient profondes. Tu dépasses toutes mes attentes. Le combat n'est pas terminé. Allez, montre-moi ce que tu vaux. Oh, ça doit faire mal. Et moi qui te trouvais déjà affreux. Ah, félicitations, il n'y a pas de petite victoire. Oh, tu as eu de la chance. Je suis peut-être trop vieux pour tout ça. L'âge ne fait pas tout. Bon. Tu tiens le choc face à un vétéran. Mais il en faut plus pour gagner mon respect. Beitir, Akidna, Argul, pour nous, ils sont la mort incarnée. Tu les tous, et j'admettrai peut-être que tu es le vrai cavalier. Je relève le défi. Et Sylvesson? Sylvesson était autrefois un allié de mon peuple. Pourquoi le tuer alors? La corruption a envahi la forêt. Et Sylvesson est un hôte de ces bois. Leurs destins sont indissociables. Sylvesson est contaminé. Il doit être éliminé. Je sais qui est Akidna, mais pourquoi voulez-vous sa mort? Oh, une dette ancienne qui date d'avant ta venue. Elle règne sur le royaume des ombres. Pourquoi n'allez-vous pas la tuer là-bas? J'ai essayé, mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs arachnéens se sont rebellés, et elle a dû fuir son trône. Je l'ai traquée jusqu'au royaume des morts, mais cette crise a éclaté. J'ai dû rentrer aider mon peuple, en laissant cette dette impayée. Parlez-moi d'Argul. Ah, c'est un démon qui doit être abattu. J'allais m'en occuper moi-même, mais le baron des eaux m'a devancé. Et a pris sa place sur le trône des morts vivants. Alors Argul est mort. Mes vieux os pensent le contraire. Il est toujours vivant. J'en suis sûr. Et voilà. Donc on vient de rajouter pas mal de quêtes. Et on a pas mal de sous. On pourrait facilement améliorer tout ça. Et bah d'ailleurs... Voilà, on a tout. On a tout, et en plus, il reste encore 200 000 de... Donc dans les quêtes en cours, on va finir un peu tout ça. Donc on a, voilà, dans le royaume des morts à Kimnai, on n'est pas encore dans le royaume des morts.
En revanche, s'il veut sang, on peut éventuellement le chercher. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Le temple perdu. Le temple perdu. On va regarder un peu tout ça. Mais c'est bizarre parce que normalement on a fait tout. Tous les éléments. Chez la peste bois, la retraite. Le temple perdu. Le temple perdu, bah. On peut pas regarder. On peut pas accéder au plan. D'accord. Donc Silversang. Dans les terres de la forge. Donc les terres de la forge. On y est sur les terres de la forge en fait. Hein. On a la forge brisée ici. La forge brisée, je crois bien qu'on l'a faite hein, normalement. Voilà. On va continuer. On va juste retourner voir Karn. Donc je ne sais absolument plus où il se trouve. Donc toutes les autres quêtes, hein, en revanche, là, on termine juste avec celles qui vont être terminées pour faire un point. Là, il est là. Normalement, on l'avait trouvé. On avait fait tout. Continue sans moi, cavalier. J'ai eu ma dose d'aventure. J'en sais absolument rien. Ah ben non, bah sa boussole n'a pas été trouvée. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Sur ce. Bah, je vous dis rendez-vous prochain épisode, ce sera bah, certainement ça, et continuer le scénario principal.